Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est rendu maintenant le 2 septembre, déjà le 2 septembre 2023, minuit 12 heures du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, c'est vraiment très apprécié. Chers amis, on est passé à travers l'été. Bien, l'été n'est pas terminé, on n'est pas encore vraiment passé à travers l'été, mais... On s'en est tiré jusqu'à présent, mais jusqu'à quand on va être capable de s'en tirer? On voit que le conflit en Europe est sur le point de vraiment s'intensifier. Une escalade énorme dans les propos, même dans les... On a appris aujourd'hui, je vais juste vous dire ça rapidement, là, que Poutine a mis pour la première fois en service de combat une bombe nucléaire apocalyptique du nom de Satan 2. Satan 2, qui vole à 26 000 km/h et qui pourrait détruire, entre autres, l'Angleterre en moins de 2. OK? Comme si c'était la seule chose qui nous manquait sur la planète. Là, c'était quelque chose comme ça. Et ça, c'est sans compter que, chers amis... On pensait que c'était terminé, mais c'est pas terminé. La pandémie revient cette année. Les New-Yorkais, même maintenant, se font conseiller pour la fête du travail qui est ce week-end de se masquer alors que les variantes, la nouvelle variante de COVID suscite des craintes généralisées. Donc, tu vois, déjà, on envoie des signaux. L'élite fonctionne comme ça en envoyant des signaux. Donc, préparez-vous. Quand tu penses que c'est fini, ben non, c'est pas fini. Maintenant, avec tout ce qui se passe, on voit l'agenda global, c'est très sinistre. Que tu sois croyant ou non, c'est pas vraiment important ce qui est en train de se passer. On pourrait le qualifier de biblique. C'est important de toujours se référer à ces écrits-là qui ont des significations dans le temps et dans le passé et dans le présent et dans le futur. Tout le monde a déjà entendu parler et je pense qu'on n'a pas besoin d'être convaincu par qui que ce soit qu'on est dans une ère, surtout dans l'hémisphère nord, de grande dépravation, de diabolisme et au niveau de l'élite, de satanisme. Quand on est rendu du côté des médias à dire à la population que, par exemple, suite à la sortie du film de Sound of Freedom cet été, dont vous avez déjà entendu parler, sur le trafic sexuel d'enfants. Quand tu as les médias qui viennent te dire que ça, c'est de la conspiration, parce qu'eux autres protègent l'élite, je pense pas que ce soit de la conspiration quand Ghislaine Maxwell, la copine de Jeffrey Epstein qui s'est suicidée, a été condamnée. C'est pas de la conspiration. Sauf que les médias essayent de projeter ça, de démoniser ça, parce que, naturellement, les médias sont la propriété de l'élite qui, elle-même, est prise dans ce scandale-là. Comprends-tu? On regarde le comportement des élites, le comportement des artistes, que ce soit d'Hollywood, de Paris ou du Québec. C'est dégradant. C'est gênant. Mais aussi, c'est très dépravé. Consommation de drogue, consommation d'alcool au plus haut niveau dans nos sociétés de l'hémisphère nord. On est rendu avec les taux de suicide les plus élevés, les taux de dépression les plus élevés, les taux de divorce les plus élevés, les taux d'avortement les plus élevés. Puis la liste est longue de tout ce qui est... Même si tu n'es pas croyant... Négatif. Appelons ça négatif, comprends-tu? Que tu le veuilles ou non, que tu sois croyant ou non, il y a un fait qui demeure, c'est qu'on veut nous imposer un agenda et une forme de ce qui est décrit dans la Bible comme étant la marque de la bête. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Encore là, on nous disait, c'est de la conspiration, c'est de la conspiration, c'est de la folie, c'est tout ce que tu peux imaginer. Bien, on va se retourner puis se référer un peu, puis on va retourner avec ce que nous raconte la révélation
13, 16, 18. Et il fait que tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque, ou le nom de la bête, ou le numéro de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. 666. Je ne sais pas si vous le savez, on a déjà commencé à implanter des micropuces dans la main droite. Elon Musk a déjà commencé et c'est en train de se répandre dans différentes startups et différentes entreprises. Avec lui, Musk, c'est Neuralink, d'introduire une micropuce dans le cerveau pour être connecté à un ordinateur. Et cette idée-là, et quelle est la marque de la bête? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, savoir c'est quoi la marque de la bête exactement. Ce fameux chiffre 666. Imagine-toi, quand on a introduit le code barre, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était ça, la marque de la bête. Et d'ailleurs, sur tous les codes barres, il y a trois séries de barres qu'on voit au début, au milieu et à la fin de chaque code barre, ça c'est universel dans le monde, qui sont la représentation du nombre 6. Donc, tu l'as au début, tu l'as au milieu, puis tu as la fin, 6, 6, 6. D'ailleurs, je vous laisserai la vidéo extraordinairement captivante de Anonymous Official, puis je vous en fais juste un résumé. OK? 6, 6, 6. Après ça, on est arrivé avec, nous raconte Anonymous Official, le fameux QR code. Hein? Là, il est partout, il est utilisé partout maintenant aussi. On a pensé que c'était, on pense peut-être que, ou il y a des gens qui pensent que ça, c'est la marque de la bête. Mais si tu t'en remets encore à Apocalypse, les Révélations 13, 16, 18, il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque et le nom de la bête et le numéro de son nom. Voici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Et son nombre est 6, 6, 6. Maintenant, le créateur de ce code-barre-là, OK? George Joseph Lohrer, un ingénieur d'IBM. Hein? On va aller voir George Joseph. Lohrer. Non, c'est pas ça. Attendez un petit peu. Le voilà. George Joseph Lohrer. Ça, c'est lui. OK? Il était ingénieur à IBM au Research Triangle Park en Caroline du Nord. Il a publié 20 bulletins, blablabla. Et c'est lui qui a développé le fameux code universel, le code barre CUP, au début des années 70. Et il a dit, quand on lui a fait part de ça, qu'il y avait ce fameux 3-6, hein, au début de chaque code, il a dit, bah, ça n'a aucune signification, c'est du hasard, c'est du pur hasard. Je ne sais pas, mais sans tomber dans la conspiration, mais on le sait, dans la vie, il y a des événements qui sont très, très significatifs et très révélateurs.
Donc, celui qui nous dit que tout ça, c'est les 3-6, ça n'a aucune signification, c'est du pur hasard. Parce qu'il faut que tu comprennes que l'élite se base ou peut-être est connectée avec ces écrits-là, ce projet mystérieux, peut-être mystique, je ne sais pas. Mais Joseph, George Joseph Laurer, celui qui a créé le code barre avec les 3-6 qui sont inclus dans chaque code barre, te dit que c'est de la pure spéculation, c'est du pur hasard et que ça n'a aucune signification. Regarde son nom. George. Il y a combien de lettres? 6. Joseph. Il y a combien de lettres? 6. Laurer. Il y a combien de lettres? 6. Donc, tu te retrouves avec 6, 6, 6. Ça ne veut rien dire. C'est seulement du hasard que ce soit 6, 6, 6 et que lui ait créé ce code-là. C'est seulement du pur hasard. J'imagine qu'on va convenir que c'est du pur hasard. Est-ce que c'est une coïncidence? Se demande Anonymous Official. Est-ce que c'est une coïncidence ou si c'est une blague de mauvais goût? Mais c'est vraiment très, très étrange. La FDA vient d'approuver, il n'y a pas longtemps, une micropuce qu'on implante dans la main. On a Elon Musk promet et qui livre la marchandise, il a déjà commencé, implanter des micropuces dans la tête des gens. On a la Fondation Bill Gates aussi et Melinda Gates qui pourrait avoir un... mettre pour chez les enfants. En tout cas, pour identifier la vaccination des enfants, on pourrait utiliser une espèce de petit tatouage, un point quantum invisible. Et le plus spectaculaire de tout ça, le plus spectaculaire de tout ça, dans cette espèce de nombre de la bête, c'est Microsoft Technology Licensing qui a un brevet pour un système de crypto-monnaie qui utiliserait, et c'est quand même, on va aller faire la recherche ensemble, là, W0, 020. 2000 W 020 2000 020 200 soit 606 06 200 606 06 brevet Google système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Tu vois, on vient de le faire ensemble, là, et c'est ça qui apparaît. Ce n'est pas de la conspiration. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, si les gens ils se mettent pas à faire des petits moves, juste des petites recherches comme on fait ensemble là, en direct, là, tu sais, en faisant des recherches sur Google, puis qui écoutent juste les médias, qui leur disent que tout est conspirationniste, ils vont penser que tout est conspirationniste. C'est un système de crypto-monnaie utilisant les données d'activité corporelle. L'activité du corps humain associée à une tâche fournie à un utilisateur peut être utilisée dans un processus d'extraction d'un système de crypto-monnaie. Un serveur peut fournir une tâche à un dispositif d'un utilisateur qui est coupé en communication au serveur, un capteur couplé de manière communicative au dispositif de l'utilisateur, y compris dans celui-ci.
peut détecter l'activité corporelle de l'utilisateur. Des données d'activité corporelle peuvent être générées sur la base de l'activité corporelle détectée de l'utilisateur. Le système de crypto-monnaie, couplé de manière communicative au dispositif de l'utilisateur, peut vérifier si les données d'activité corporelle satisfont à une ou plusieurs conditions fixées par le système de crypto-monnaie et attribuer une crypto-monnaie à l'utilisateur dont les données d'activité corporelle sont vérifiées. C'est parce que tu voudrais créer quelque chose de conspirationniste dans un film de science-fiction comme ce que je viens de te décrire, t'exposer. Tu ferais même pas, puis tu te dirais, ça n'a pas d'allure, on va passer pour des fous. Regarde, ça, c'est le numéro du brevet. 6, 6, 6, 0, 6, 0, 6, 0. C'est parce que t'essayes de pas sombrer dans le... La folie, mais c'est comme il t'oblige, c'est comme plus fort qu'eux autres. Ce serait hallucinant, ce système de crypto-monnaie avec, associé à ton corps. Wow! Donc, si tu penses que c'est du délire, reviens à 13, 16, 18. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le numéro de son nom. Voici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Et son nombre est 666. Chers amis, je vais vous laisser la vidéo de Anonymous Official, mais il fallait que je fasse ce petit clin d'œil-là. Tout ce qui s'en vient, on n'est pas préparé pour ça. Et je peux te dire une chose, c'est pas une sinecure, c'est pas le retour du Messie, c'est la prise de pouvoir par Satan directement de notre monde. Puis il va y avoir tout un combat cosmique. Je ne sais pas comment il va se terminer, mais on va en ressentir les effets sur Terre. Préparez-vous, parce que le pire n'est pas arrivé encore.